L'embryon, au tout début, quand il est au stade 8 cellules, par exemple, on peut lui prélever une ou deux cellules en le détruisant dans un certain nombre de cas, mais sans le détruire dans d'autres cas. Et c'est ce que l'on fait quand on fait ce qu'on appelle le diagnostic préimplantatoire, le DPI. Par contre, ultérieurement, il grossit, et quand on veut prendre des cellules pour faire des cellules souches embryonnaires, à ce moment-là, on prélève la masse interne de l'embryon et on entraîne toujours sa destruction. Ça détruit toujours l'embryon. Nous avons aujourd'hui une alternative qui s'appelle les cellules pluripotentes induites, les cellules IPS, et ces cellules permettent de créer des cellules embryonnaires-like, extrêmement voisines, et donc sur lesquelles on peut faire absolument tous les tests que l'on fait avec les embryons, et même peut-être plus, parce que c'est beaucoup plus facile. Vous avez un malade, vous prélevez de la peau, et puis vous faites des cellules IPS et vous avez un modèle de cellules de ce malade. Vous avez un modèle de cellules de cette maladie. Alors que avoir une grossesse avec une maladie, un diagnostic préimplantatoire, etc., etc., c'est infiniment plus lourd. Donc finalement, les cellules IPS sont beaucoup plus accessibles que les cellules embryonnaires. La question est très importante et la réponse est non. Il n'est pas possible d'utiliser un être humain pour soigner un autre être humain. On peut par exemple prendre le rein d'une personne pour sauver une autre personne parce que la personne en a deux, mais on ne peut pas se permettre de prendre les deux reins d'une personne qui va en mourir pour soigner deux autres personnes. On ne peut pas se soigner au prix de la vie d'un autre. En aucun cas ce n'est possible. C'est depuis bien longtemps, dans toute l'histoire, tu ne tueras pas. Et c'est universel, c'est vraiment l'une des lois les plus universelles.